Where is Peeta? Where is Peeta? Where is Peeta? Peeta! Peeta! Peeta, 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 Peeta! Elle est où? Elle se sauve! Clap, 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 clap! Yes! Give a kiss, give a kiss! Give a kiss! Big kiss, big kiss, look! Chat! Chat, chat! Yes! Doucement, doucement! Peeta, Peeta, Peeta! Give a kiss, give a kiss! Yes! Maman, arrête de me faire des bisous. J'en ai marre. J'en ai marre, maman, des bisous. Maman, arrête de me faire des bisous. J'en ai trop marre de tes câlins, mais je t'aime quand même. Bah oui, bah oui, bah oui. Bah oui, tu m'aimes, toi. Tu es venue me faire les bisous. Les bisous de maman. Oui, les bisous de maman. Ah, vraiment, il n'y a rien à dire. C'est le meilleur de tous les petits frères du Pourquoi monde. Qu'est-ce qu'il y a, toi? Mimi. Qu'est-ce qu'il y a? Mimi. Il est où, tonton? Mimi. Il est où, tonton? Donne à tonton. Fais le bisou. 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 Fais bisou. Le bisou à tonton. Bisou. 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 Il fuit. Bien, il se promène et tout seul maintenant. Il fuit. Là, il va aller chercher la nourriture de Peeta. Non, Mimi. Ça, c'est Peeta, pas bébé. Eh oh, c'est Peeta. À Peeta. Dis-lui que c'est à toi, Peeta. En plus, tous ses jouets, elle lui touche même pas. Elle est hyper gentille. Et lui. Non. On t'a dit déjà plein de fois, mon bébé. Non. C'est pas consommable pour les animaux. Milan, regarde maman les yeux. Regarde les yeux énervés. Oh là là, regarde maman. Regarde les yeux fâchés. Regarde maman, oh là là. Bah maman. Oui, je suis fâchée là. Non, Mimi, non. Regarde maman, elle est fâchée. Non. Non, Mimi, non. Allez, va là-bas avec ton. Allez, viens. Allez, viens, Mimi, on s'en va. Voilà, allez. Voilà. Adieu, mon fils. Non, parce que la dernière fois, je l'ai quand même trouvé avec une croquette pratiquement dans la bouche, quoi. Bon, je disais, j'ai quand même le meilleur frère du monde parce qu'il est venu nous ramener un McDo. Parce que vous étiez très fatigué et la seule chose qui peut vous redonner la pêche, c'est un bon McDo chaud. Genre, j'étais en train de dormir dans ma chambre, j'entends « McDo, descendez !» Mais avoue que t'étais contente quand même. Mais j'étais trop heureuse, merci mille fois. Genre. Ouais, j'ai vu son sourire, elle était trop heureuse. Ah ouais. Bon, du coup, Thomas est malade aujourd'hui à force de mettre la clim, chaud, froid. Et en plus, à chaque fois, je lui dis, j'aime pas la clim parce que moi, je suis hyper fragile. Et genre, la clim, ça me rend malade. Lui, il la met et du coup, il est tombé malade. Donc là, il fait que tousser. Voilà. Du coup, je vais vous reparler de Perfect Body DNA. Donc, j'ai eu énormément de questions et ça me fait très plaisir. Donc, c'est un programme minceur adapté. Alors, vous savez que ce qui est un peu lourd sur les régimes, c'est que les régimes, ils sont pas du tout adaptés à la morphologie et aux habitudes de chacun. Donc, en fait, on a un régime qu'on donne à plein de personnes qui ne réagissent pas du tout pareil. Et je trouve ça très mauvais. J'ai reçu donc mon livre Perfect DNA. Je vous en ai parlé la dernière fois. Donc, l'ADN du corps parfait. C'est un programme de 28 jours qui est entièrement personnalisé. Donc, vous voyez, là, il y a votre nom qui est écrit. C'est un livre dédié à la perte de poids, mais sur mesure, parce qu'on a tous des métabolismes différents, des objectifs différents. Donc, comment ça se passe? Vous avez juste à swipe up. Vous avez un formulaire. Vous allez remplir ce formulaire. Il y a plein de questions qui sont très personnelles. Donc, prenez le temps de le faire. Par rapport à vos réponses, donc vos réponses, elles vont être analysées par des nutritionnistes. Et vous allez obtenir le livre sur mesure parfait. Donc, ça va être par rapport à vos aptitudes physiques, parce qu'il y a aussi des exercices de sport à l'intérieur, par rapport à vos habitudes culinaires, si vous préférez tel ou tel aliment, comme ça, vous n'allez pas vous sentir frustré. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'à l'intérieur, vous avez des recettes de chef, mais qui sont très simples et faciles à faire. Il n'y a pas besoin de prendre 2 heures, vraiment, même pour les gens qui n'aiment pas cuisiner, qui ont la flemme, etc. C'est des trucs vraiment... Qu'est-ce que t'as fait avec la chicha? Non, c'est pas la chicha. En fait, la table, j'ai posé. Il y avait trop de poids sur un côté, elle est tombée, elle s'est cassée. Mon Dieu, il a cassé la table.
putain, j'ai pas fait exprès. Là. Oh, tout ça à cause de sa chicha. Regarde, j'ai pas fait du sens. Ça a tout cassé. J'ai pas fait exprès, je te jure. Ma tasse préférée. Ah non, je te jure, ça me fait de la peine. C'est ma tasse préférée. Je l'ai achetée en Australie. Bah, je vais la recommander. Hein. Non, mais franchement, ça me fait de la peine là. Non, mais je te jure, j'ai un contact avec un backpacker. Je suis resté en contact avec lui depuis l'Australie. Non, mais je te jure, j'en ai pleuré. Désolé. Hein. Comme par hasard, ma tasse préférée, quoi. Non. Je me saoule. Non, mais j'ai pas fait exprès, je te jure. Mais tu l'as acheté où cette tasse? Dis-moi. Tu l'as acheté où? Demande à Thomas, c'est ma tasse de l'Australie, j'y tiens plus que tout au monde. Bah, je peux la recoller, c'est rien, je mets de la colle dessus. Non, tu peux pas la coller. Bah comment je vais la retrouver? Je vais pas aller en Australie en acheter une autre, je peux t'en acheter une nouvelle si tu veux. Je te jure, j'ai envie de pleurer. Ça peut se réparer, regarde. J'ai juste à simplement à coller ça ici. Voilà. Et là, t'as une nouvelle tasse. Non, mais c'est bon, quoi. Bah je suis désolé, j'ai pas fait exprès, et la table elle est complètement lâchée entre les mains. Pardonne-moi. Non, je te pardonne. Désolé. Tu pourras me ramener un autre McDo demain? Oui, je te ramène un autre McDo demain. Tout ça pour un McDo, non mais j'y crois pas. Elle est horrible cette fille, s'il vous plaît. Sauvez-moi, elle est horrible. J'ai pas fait exprès de casser la tasse. Je sais, mais je me retrouve à devenir... Mais je m'en fous de cette tasse, je l'ai achetée je sais pas où. C'est un McDo en fait. Bon, bref, on va arrêter de parler de McDo parce que le but c'est quand même de bien manger. Et c'est vrai que ben, dans le livre j'ai appris aussi pas mal de choses, des aliments que je connaissais pas forcément. Et puis bon là c'est sur 28 jours mais en plus de ça, enfin au-delà de ça, c'est vraiment des habitudes que vous allez pouvoir garder dans votre vie. C'est des habitudes à prendre et ça va vous suivre tout au long de votre vie en fait. Vous allez voir, le livre, il est super bien fait. Comme je vous ai dit la semaine dernière, j'avais vraiment envie de vous en parler parce que quand je l'ai reçu, je me suis dit ça peut être hyper intéressant d'avoir un régime vraiment sur mesure. Et voilà, c'est juste top. Donc, je vous montre un petit peu le livre sans trop vous spoiler. Mais voyez, voyez, donc là, il vous explique tout comment faire. Ça, c'est le déjeuner. Il y a les calories pour les végétariens. 2 à 4 heures après le premier snack. Enfin, c'est vraiment genre... trop bien expliqué. Il y a des super jolies couleurs. Il y a des nouveaux... Enfin, ça a vraiment été fait sur mesure. Donc, tous les aliments qu'il y a là, c'est des aliments que j'affectionne. Et voilà, j'ai aucun souci à les consommer. Vous avez les pâtes au blé complet, ça aussi. Au lieu de prendre des pâtes blanches avec du gluten et tout, changer avec des pâtes au blé complet. C'est pas parce qu'on fait un régime qu'on n'a pas le droit de manger de pâtes. Donc, voilà, il y a plein de petites choses. Vous avez aussi les exercices... qui sont juste ici, qui sont aussi adaptés ben, à votre niveau. Ils vont pas vous dire de faire des trucs de fou alors que vous avez un niveau... Enfin, vous allez pas au sport souvent. Donc, c'est juste génial. Voilà. Là, je suis sur le questionnaire. Alors, je vais commencer par répondre à toutes les questions. Donc, par exemple, celle-ci, déterminer les zones problématiques. Donc, disons que c'est double menton, les bourrelets... les jambes et les cuisses épaisses. Ensuite, suivant, vraiment répondez voilà, la vérité. Enfin, c'est vraiment pour vous que vous le faites, donc il n'y a vraiment aucun souci. Combien d'heures vous dormez? Donc moi, je dors à peu près plus de 8 heures. Est-ce que vous sentez stressé? Donc, on va dire plusieurs fois par semaine. Consommez-vous de l'alcool? Voilà, je vous remets mon code promo. Si ça vous intéresse, vous avez moins 30% sur votre programme 28 jours personnalisé. En sachant que quand on va chez un nutritionniste, en général, la séance, c'est entre 300 et 500 euros. Donc là, c'est 10 fois moins cher. Donc voilà, n'hésitez pas. Je vous ai mis le lien du site. Je vous donne le code promo.